courir pour soutenir l'association. Hélas, le défi que se sont lancés deux sportifs de la région. Didier Volker s'élancera fin août à l'assaut du Mont Blanc pour parcourir les 166 km de l'Ultra Trail. David Jean Monod, pour sa part, participera aux 100 km de Bienne les 17 et 18 juin prochains. Les deux hommes souhaitent, grâce à ces opérations, récolter des fonds en faveur des enfants atteints de leucodystrophie. David Jean Monod nous présente son projet sportif. Je vais courir les 100 km cette année pour l'association ELA, récolter des fonds en courant les 100 km et en essayant de battre mon record de l'année passée. Comment vous est venue l'idée de courir pour la fondation ELA ? Je voulais courir pour une association cette année et c'est tombé très très bien parce que j'avais aucune motivation à faire les 100 km. Donc moi j'aime bien courir pour quelque chose. Et cette année c'est tombé à pic. On s'est rencontré avec Pascal. Il organisait deux choses, on va dire, pour ELA, deux organisations. Et j'ai dit, écoute, dans un mois j'ai les 100 km, je cours pour ELA. C'est tombé comme ça. C'est vraiment, c'est souvent les grandes idées, on va dire, tombent sur un petit incident de parcours et c'est arrivé comme ça, quoi. On était en train de boire un café avec Pascal et puis on a dit, on va faire les 100 km pour ELA. Des propos recueillis par Natacha Leuch.